Et bonjour, c'est déjà notre dernier jour dans les Alpes. Ce matin, on est parti pour une dernière excursion. Cette fois-ci, en raquette. On a pris le télésiège depuis la station pour monter tout en haut. Là, on continue de monter pour aller sur les crêtes. On vient de commencer, je suis déjà crevé. Souhaitez-nous bon courage. Vraiment alpine, donc ça veut dire avec des pentes qui sont quand même assez fortes, donc c'est valable pour l'été en rando, mais également l'hiver en raquette. Mais par contre la vue est vraiment magnifique, on a un panorama sur quasiment 360 degrés, c'est impressionnant. C'est la première fois qu'on fait de la raquette sur des crêtes comme ça. Ça donne l'impression qu'on grimpe au sommet. Enfin, c'est un peu le cas, mais en vrai les pistes elles sont juste à côté. Donc ça reste très en sécurité et assez simple. Mais ça fait une drôle d'impression de marcher dans ce paysage enneigé tout en haut avec les sommets autour de nous. Demande, les raquettes accrochent vraiment bien, donc aucun risque de glisser. Il suffit de marcher normalement en fait, c'est très très simple. Enfin, il y a quand même une montée. Sacrée montée. Mais tu vois, on glisse pas du tout, on marche, voilà. Claudia a fait l'ascension du Mont Blanc. On y croirait presque. Hein. Bah, on va arriver au sommet de la station ici en fait, on est à quasiment 2800 mètres. J'arrive quasiment en haut. Avec maman. En tout cas, il y a un beau soleil. Hein. Alors, je vais vous montrer un peu le panorama. Là, on a le sommet du coin, le Pouzinck, qui est à peu près à 3000 mètres. Là-bas, tout au fond, c'est le Vercors. Là, en face de moi, c'est le parc national des Écrins. Là-bas, c'est le Mont Blanc. C'est incroyable parce qu'il est à 200 km à vol d'oiseau à peu près. Là, de ce côté-là, c'est le Queyras. Et ici derrière, c'est tout au fond là-bas, c'est le parc du Mercantour. Et si on continue un peu plus loin, donc à 80 km à vol d'oiseau, c'est Nice.